permets, je vais répondre. Écoutez, tout d'abord, moi, je suis très étonné qu'un club se permette de contacter un joueur sans en parler à son club. Il y a des manières, et ça, c'est pas des manières. La deuxième chose, c'est que nous avons reçu une offre hier à 20h03. Il existait une clause dans son contrat qui aurait permis de réaliser ce transfert. Malheureusement, au-delà du fait que le club de Fulham s'est mal comporté, les conditions n'étaient absolument pas réunies et elles ne l'étaient d'autant pas que cette offre est arrivée à un moment où globalement vous ne réalisez plus un transfert avant la fin de la fenêtre. Et puis je dirais qu'enfin, Sabali fait partie, comme je le disais tout à l'heure, de ces joueurs cadres. Et donc il est important pour nous et on compte sur lui pour la fin de saison. Voilà. Donc j'ai pas plus de commentaires sur le sujet, mais en tout état de cause, nous avons fait savoir à Fulham ce que nous pensions et ce que je viens de vous résumer. Il a émis le souhait de se rendre à Fulham. Nous lui avons fait part de notre avis négatif.